بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Et nous étions dans le cadre de la prière ou le bain d'abord, le bain mortuaire que nous avons essayé de parler. Et nous avons aussi commencé à parler aussi de la prière mortuaire. Et nous avons dit que c'est une obligation, mais une obligation communautaire. Et mes chers frères et sœurs, nous avons déjà commencé à parler de cette prière mortuaire. Et nous allons essayer d'y revenir, Inch'Allah. Et sur la janaza, c'est très important, après la mort. Il y a certaines choses qui nous sont recommandées, ça fait partie de ces recommandations, c'est de prier sur le défunt et aussi l'enterrer formellement selon la recommandation de l'islam. Donc mes chers frères et sœurs, nous avons dit que dans la prière mortuaire, il y a un élément qui est plus important lorsqu'on parle de l'intention. L'intention d'abord, c'est pour prier afin qu'Allah puisse essayer de couvrir le défunt par sa grâce. Mais pas seulement on soulève, aussi nous, en tant que de fidèles musulmans, on essaie de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à partir de cette prière, parce que c'est une forme aussi d'adoration pour nous, c'est Dieu qui nous a recommandé cela. Et respectant cette recommandation, c'est une adoration pour nous, et en même temps, une prière pour le défunt. Nous avons cela, mes chers frères et sœurs, nous avons essayé de signifier que dans la prière mortuaire, nous avons 5 takbirats. Et nous avons essayé de premier takbirat, lorsqu'on dit takbir, c'est de dire Allahu Akbar. Et nous avons cette première takbirat, après, vraiment, après avoir formulé l'intention, et nous devons dire Allahu Akbar. Bien sûr, si nous sommes conduits par un imam, l'imam dit Allahu Akbar, et derrière l'imam, nous essayons de répéter Allahu Akbar. Et Allahu Akbar, lorsque le premier Allahu Akbar est dit, est prononcé, mes chers frères et sœurs, nous devons dire Ashhadu an la ilaha illallah. Ou Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nous avons essayé de dire cela. Et après cela, nous devons dire encore, prononcer Allahu Akbar deuxième fois. Et après cette prononciation, cette deuxième prononciation d'Allahu Akbar, nous devons essayer de dire, mes chers frères et sœurs, aussi, et Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, la formule la plus courte. Et mes chers frères et sœurs, cette formule peut être longue et aussi peut-être courte, c'est la formule la plus courte, c'est de prier sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa sainte famille. Et nous avons cela aussi, nous avons aussi, mes chers frères et sœurs, troisième, lorsqu'on dit Allahu Akbar, et nous devons essayer de prier, mes chers frères et sœurs, pour la communauté, ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont avec nous, de prier pour tous les défunts et aussi pour tous ceux qui sont avec nous dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà, ceux qui nous ont quittés. Et après cela, nous disons Allahu Akbar, mes chers frères et sœurs. Et Allahu Akbar, troisième fois, quatrième fois, ce n'est rien d'autre que de prier pour le défunt. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Alors, si il s'agit d'un homme, on dit que Seigneur, ait pitié de lui, et couvre-le par ta grâce. Et nous avons aussi, mes chers frères et sœurs, lorsqu'il s'agit d'une femme, Allahumma ighfir laha warhamha. Donc, en réalité, mes chers frères et sœurs, il y a cela, seulement que c'est le pronom qui change, mes chers frères et sœurs. Lorsqu'on prononce cela, on dit pour la cinquième fois, Allahu Akbar. Lorsqu'on dit Allahu Akbar, il n'y a plus de Assalamu alaikum. Donc, la prière mortuaire est finie. Donc, mes chers frères et sœurs, ce qui est plus important, il y a des conditions que nous devons essayer de prendre indispensable dans la prière mortuaire.
Et il est important que nous puissions vous rappeler de ces conditions. Et il fait partie de ces conditions, mes chers frères, c'est avoir la pure intention, mes chers frères, c'est de se rapprocher de Dieu. Donc, il faut avoir cette intention. Et aussi, mes chers frères, c'est la personne qui est décédée par son sexe pour éviter l'état de confusion en disant, par exemple, au lieu de formuler l'intention, j'ai pris pour ces morts. Pour la recherche de la prosternation, mes chers frères, il ne peut pas qu'il y ait de confusion dans le sexe. Vous devez essayer de prononcer normalement lorsqu'il s'agit réellement. Mais s'il s'agit, mes chers frères, de qu'il y ait de confusion entre les pronoms masculins et féminins, mes chers frères, on demande seulement que j'ai prié pour ces morts pour rechercher la proximité de Dieu. Donc, dans cette formulation de l'intention, lorsqu'on veut formuler l'intention, pour ne pas qu'il y ait confusion, souvent, je prie pour ce mot dans la langue arabe, mes chers frères, il peut y avoir des confusions pour nous. On ne sait pas, on peut venir trouver des gens en train de prier sur un défunt, réellement, sur un mot. On ne sait pas réellement, nous n'avons pas le temps de demander son sexe, il est masculin ou féminin, mes chers frères. Donc, il est demandé de formuler l'intention de cette manière lorsque c'est confus. Pour nous. Et aussi, mes chers frères et sœurs, de faire face à la Qibla au moment d'accomplir la prière mortuaire. Nous devons faire face à la Qibla, ce qui est le plus important, et accomplir la prière mortuaire en étant bien sûr debout. Je vous ai dit tantôt qu'il n'y a pas ni de genuflexion, ni de prosternation. Et mes chers frères et sœurs, il est important debout et soit capable, si on est capable réellement, de faire la prière mortuaire étant debout. Si nous ne sommes pas capables, nous pouvons la faire étant bien sûr assis. Et placer la dépouille devant le rang couché sur le dos, et la tête à sa droite et le pied à sa gauche. Et nous devons essayer de faire comme ça, la tête à la droite, le pied à sa gauche. Et nous devons essayer de disposer la dépouille de cette façon. Et doit être séparé par, ne doit pas être séparé par un mur, mes chers frères et sœurs. Lorsqu'on place la dépouille devant nous, et il ne doit pas être séparé par un mur ou, je ne sais pas, un obstacle. Oui, lorsqu'il se trouve dans le cercueil, il n'y a pas de problème, mes chers frères et sœurs, en cela. Mais un mur, il y a un problème, ne doit pas être réellement, il n'y a pas qu'il y ait un obstacle, un mur ou je ne sais pas quoi, mais un obstacle pour qu'on ne puisse pas le voir. Mes chers frères et sœurs, cela est très important. Il ne pas être éloigné de la dépouille à moins de la prière, et soit en commun, rang se rejoignent. Mes chers frères et sœurs, lorsque on ne doit pas déposer la dépouille très loin de nous-mêmes. Peut-être que s'il y a une masse, si les gens sont tellement nombreux, il peut y avoir celui qui est derrière, il peut y avoir une distance importante entre lui et la dépouille. Mais ce qui est plus important, c'est que les rangs doivent être serrés et aussi, mes chers frères et sœurs, doivent être quelque part reliés. Si les rangs sont reliés, il n'y a aucun problème en cela, mes chers frères et sœurs. Donc, voilà comment nous voulons essayer de vous présenter concernant le fait de prier sur la dépouille, mes chers frères et sœurs. Et après avoir fait cette prière de dépouille, il est nécessaire d'intervenir après le bain mortuaire, l'application de substances odoriférantes, l'envelopper dans l'enseigne, et au moins qu'il s'agit d'un martyr. Et nous avons dit que lorsqu'il s'agit d'un martyr, nous ne sommes pas demandés, mes chers frères et sœurs, de faire le bain mortuaire, le martyr. Nous devons l'enterrer avec l'habit avec lequel il est tombé sur le front. Il est nécessaire d'accomplir, mes chers frères et sœurs, le bain mortuaire et l'application des substances odoriférantes pour nous, mes chers frères et sœurs. Il est très important lorsqu'on veut essayer de faire cette prière mortuaire. Donc, voilà ce qui est demandé pour nous, mes chers frères et sœurs, en ce qui concerne les fidèles musulmans qui sont restés après le défunt. Nous devons essayer, mes chers frères et sœurs, de les laver avec le bain, comme on le dit, mortuaire. Nous devons, après le bain, il y a aussi des substances que nous devons utiliser, que nous devons dire. Et après cela, nous devons essayer, mes chers frères et sœurs, de l'envelopper dans le linceul
Après le lancer, nous devons faire la prière sur lui. Dans tout cela, le laver, faire la prière, l'enterrer, tout ça rentre dans cette obligation. Mes chers frères, c'est une obligation communautaire. Et c'est ce que nous avons essayé de vous expliquer réellement, mes chers frères, c'est disposition, les rituels de la prière funèbre, mes chers frères, c'est quiconque accompli en commun soit valide. Et l'officiant aussi, bien que le rang sous tous ces deux tenues, de prononcer les takbiratul et les réciter tous les oraisons. Mes chers frères, c'est lorsqu'on parle, on a demandé, mes chers frères, de prononcer takbiratul ihram. Laurent, bien sûr, il doit essayer de prononcer la takbiratul ihram. Aussi, mes chers frères et sœurs, dans le cas des gousles, dans le cas si nous n'avons pas d'eau, nous pouvons faire tayammum avec. Ça rentre dans le même cadre que les autres, si on peut s'exprimer ainsi, la grande ablution. Ça rentre aussi dans ce cadre-là, mes chers frères et sœurs. Il est recommandé, mes chers frères et sœurs, de faire la prière aussi lors de la prière mortuaire de ces deux chaussées au moment d'accomplir la prière. Il est recommandé, vraiment, ce n'est pas une obligation. Et être en état de purité rituelle aussi au moment d'accomplir la prière funèbre, c'est recommandé, mes chers frères et sœurs. Mais la prière n'est pas, l'ablution n'est pas une condition. Et aussi, lever les mains au moment de prononciation de takbiratul ihram et takbir, chaque takbir, on doit lever les mains, comme nous étions en train de faire takbiratul ihram de la prière. Nous devons le faire accomplir la prière funèbre en communauté. Cela est très important de le faire en communauté, ensemble et en groupe. Donc, il y a cela, mes chers frères et sœurs, en cinquième, le takbiratul et les oraisons doivent être prononcées à haute voix, vous voyez, et par l'officiant et à voix basse par l'orant. Donc, mes chers frères et sœurs, celui qui est en train d'officier la prière, si c'est quelqu'un qui est devant, la takbiratul ihram doit être prononcée à haute voix. Et les autres doivent essayer vraiment à voix basse de prononcer derrière lui. Et aussi, mes chers frères et sœurs, que l'orant sollicite beaucoup l'indulgence en faveur du mort ainsi qu'en faveur des croyants. Il a demandé, mes chers frères et sœurs, celui qui officie la prière au l'orient, qu'il puisse prier, mes chers frères et sœurs, c'est ce que nous avons dit, pas seulement pour les défunts, mais aussi pour tous les musulmans, ceux qui sont avec lui dans ce bas monde, et ceux qui ont quitté ce bas monde, il a demandé pour en ce qu'il fasse réellement la prière sur cette personne. Et avant la prière, il doit lui demander de dire trois fois as-salah, as-salah, à la prière, à demander. Cette philosophie, ce n'est rien d'autre que de demander les croyants à venir participer à cette prière funèbre, mes chers frères et sœurs, et accomplir la prière funèbre dans un endroit qui est fréquenté par beaucoup de gens. Vous voyez, et il a demandé, il ne devait pas demander d'accomplir cette prière dans un endroit caché où les personnes ne peuvent pas aussi, de façon réellement active, participer, mes chers frères et sœurs, active, participer à cette prière funèbre, mes chers frères et sœurs. Donc, il a demandé de faire cette prière, de s'acquitter de cette prière, mes chers frères et sœurs, dans un endroit public où il y a plus de personnes. Il est déconseillé d'accomplir la prière funèbre dans la mosquée, au sein de la mosquée, c'est déconseillé. Et hormis la mosquée sacrée de la Mecque, seulement que la mosquée sacrée de la Mecque, il est déconseillé. Donc nous devons essayer de faire cette prière, accomplir cette prière en public, afin que au moins 40 personnes puissent réellement participer à cette prière, parce que nous avons des hadiths qui disent que si 40 personnes prient pour un défunt, les musulmans prient pour un défunt, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse le pardonner. Donc en réalité, c'est pour cette raison qu'il est demandé de faire cette prière dans un lieu public. Accomplir la prière funèbre dans un endroit qui est fréquenté par beaucoup de gens, c'est ce qui est plus demandé, et on ne peut pas faire, il est déconseillé de faire cette prière, mes chers frères et sœurs, au sein de la mosquée, et il est déconseillé sauf la mosquée de la Mecque. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a les règles à observer lors du convoi funèbre. Il y a énormément de mérites et de récompenses à participer dans un convoi funèbre. Il est demandé, comme il y a des mérites, mes chers frères et sœurs, aussi des prières, de faire la prière mortuaire pour le défunt, et aussi participer aussi à son enterrement. Il y a aussi effectivement, mes chers frères et sœurs, des mérites en cela.
et faire de le pardonner, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala à ce qu'il lui pardonne. Et le pardon, l'un des millions de péchés, et s'élève à un million de degrés. Mes chers frères, il y a des règles, mes chers frères, à observer au moment de passer au convoi funèbre. Mes chers frères, ce qui est très important. Et il y a des actes qui sont recommandés, Inch'Allah, nous allons essayer d'y revenir. Donc, ce qui est plus important, participer dans la prière funèbre, il y a plus de récompenses. Aussi, mes chers frères et sœurs, aussi dans le cadre aussi de accompagner c'est la dépouille à sa demeure finale, il y a aussi, mes chers frères, des récompenses aussi auprès d'Allah considérables. Et Inch'Allah, nous allons y revenir, mes chers frères et sœurs, continuer dans ce sens. Et les actes qui sont déconseillés, nous allons essayer d'y revenir. Et les devoirs incombant à l'éprouver, Inch'Allah, nous allons essayer de parler de ces points, Inch'Allah, sur ce, mes chers frères et sœurs. Et nous allons essayer de se limiter à ces points. Et nous ne sommes plus par le temps. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous allons continuer dans ce sens. Et sur ce, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.